et... Voilà, ça c'est parfait. Bonjour Monaëlle. Bonjour. Vous êtes coordinatrice Demos pour la Dama. En quoi consiste ce dispositif ? Alors Demos, donc, c'est un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. C'est un dispositif qui s'adresse à des enfants entre 7 et 9 ans qui sont éloignés de la pratique musicale classique, de la pratique en orchestre. Demos s'implante dans le nord du département de l'Aisne, plus particulièrement donc, sur la communauté de communes Tirage du Centre. Et nous accueillons aujourd'hui donc à Saint-Richaumont le premier stage de l'orchestre où sont réunis 85 enfants, 18 musiciens et donc sous la direction d'un chef d'orchestre, Benjamin Garcia, qui va suivre les enfants pendant toute la durée du projet. Le conseil départemental de l'Aisne soutient ce projet déjà depuis plusieurs années. Bonjour Benjamin Garcia. Bonjour. Vous participez au dispositif Demos. Quel est l'intérêt pour vous ? Quand on est chef d'orchestre, on aime la pédagogie parce qu'on aime transmettre, on a envie de convaincre les musiciens qui doivent rejoindre votre idée musicale. C'est d'autant plus vrai avec des enfants et d'autant encore plus vrai avec des enfants qui commencent la musique. En tant que chef d'orchestre, moi je trouve ça extrêmement épanouissant, extrêmement différent d'un orchestre professionnel évidemment, mais pas forcément plus facile. On doit donner à ces jeunes gens en fait à la fois les bagages dont ils ont besoin pour progresser en tant que musicien et également leur apprendre que dans la vie, on construit mieux quand on est à plusieurs, quand on respecte l'autre, quand on écoute le point de vue de l'autre. Dans un orchestre, il y a des codes, il y a une hiérarchie, il y a des choses comme ça, mais toujours dans la bienveillance, ça c'est le maître mot du projet Demos. Bonjour Basile, alors tu as 8 ans et tu participes à Demos, qu'est-ce que t'en penses ? Ben, je suis content parce que comme ça je peux apprendre la musique. Là, on a Benjamin qui nous entraîne un petit peu, et puis comme ça on peut faire un petit peu d'orchestre. Donc je suis très content d'être à Demos, même si je trouve que dès les vacances tout de suite, on fait Demos, je trouve ça un petit peu trop vif, mais sinon c'est bien.